Moi, je crois vraiment qu'il y en a qui remontent là-haut en même temps. Évariste, quel artiste! Évariste, quel pugiste! Eh, c'est vrai, depuis que j'ai les cheveux longs, je ressemble à l'homme de Cro-Magnon. Dis, mais toi, ça n'est pas une raison pour me mordre avec tes crocs mignons. Évariste, quel paroniste! Évariste, quel anthropologiste! Et mon corps a agi très très fort comme domaine d'opérateur sur ton corps. En moins d'une plombe, je suis devenu un espace vectoriel sur ton corps nu. Évariste, quel achéviste! Évariste, quel de l'anatomiste! Puis pour me remettre un peu, j'allume la télé. C'était Léon qui commentait le tiercé. Mais je devais être vraiment retourné car j'ai vu les jockeys courir avec leur cheval dessus. Évariste, quel touriste! Évariste, quel illusionniste! Éléphant, si vous êtes malin, j'ai un petit problème pour vous, écoutez bien. Connaissant le clair de l'une, sans faute, calculez-moi vite le clair de l'autre. Évariste, quel humoriste! Évariste, quel calembouriste! Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais se laver les dents dans un verre à pied, c'est beaucoup plus facile, assurément, que de se laver les pieds dans un verre à dents. Évariste, quel dentiste! Évariste, quel supplice! Et supposez qu'en haut d'un grand marronnier, un éléphant se trouve perché. Comment fait-il pour descendre s'il pèse 3 tonnes? Il se met sur une feuille et il attend l'automne. Évariste, quel déliste! Évariste, quel zoologiste! Y'a Nicolas à Bardot, qu'il est mignon ce petit, qu'il est donc beau. Puis c'est marrant comme son petit derrière ressemble à la poitrine de sa mère.